Quatrième édition de la journée de la femme belle, thème de discussion cette année, femme et digital. Cabrel Guilain, les mamies, et Thierry Mandaka nous en disent davantage. À l'initiative de l'ONG Femmes Belles, cette quatrième édition de la journée de la femme belle, parrainée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des femmes gabonaises au sujet de leurs valeurs qu'elles ont. C'est aussi l'occasion de les motiver à devenir des femmes belles à l'intérieur. Un sage africain disait « Là où se trouve une femme, le feu brûle ». Cet adage révèle une réalité. Il n'y a pas de développement durable possible. Il n'y a pas d'avenir possible sans l'apport et la pleine participation de la femme, qui représente plus de la moitié de notre population. Cette année, l'événement s'est célébré autour du thème « Femmes et digital ». L'objectif recherché par cette ONG à travers cette thématique est d'augmenter le nombre de femmes qui exercent dans les métiers du numérique d'ici 2020. Aujourd'hui, le numérique s'est imposé dans nos vies. Avec un taux de pénétration de 48%, le Gabon occupe actuellement la 6e place en Afrique subsaharienne, ce qui fait de notre pays l'un des plus avancés dans le domaine du numérique. Malheureusement, la femme gabonaise se situe en marge de ses progrès. L'ONG Femme Belle, à l'intérieur et à l'extérieur, ambitionne être pour les femmes un réseau leader en Afrique centrale en matière d'éducation, de formation, de reconversion et de création d'opportunités d'affaires dans les métiers du numérique ou des nouvelles technologies. Comme innovation, l'ONG Femme Belle a pu officiellement mettre en place le centre de formation dédié au métier du digital exclusivement pour les femmes. Et il faut dire que c'est une première au Gabon et dans l'Afrique centrale. Durant cette journée, des repas, des sacs de vivres, des vêtements, des soins de beauté ont été offerts aux femmes.